Hey. La conscience humaine à la gangrène et sans peste. Elle est malade, ils ont tout intérêt à ce qu'elle le reste. Un océan de vide, une culture du néant. Des cerveaux ramollis, des yeux rivés sur des écrans. Hallucinant comme la machine est bien conçue. Elle injecte son poison, flows ininterrompus. Info contradictoire, tout se mélange, tout est noyé. Une page de pub et puis on zappe, c'est vite oublié. On a le choix entre renoncer à être un homme ou se laisser aliéner et leur servir de bête de somme. Et qui me traite de fou, d'illuminé, de parano. Nourrit cette conscience malade et refoule son ego. Car dès le plus jeune âge, on nous fait manger la mangeable. Ne pas cracher dans la soupe est impensable. Putain d'époque, voilà tout ce qui me reste au fond. Je verse une goutte de miel dans un litre de plomb. Une goutte de miel dans un litre de plomb. C'est une goutte de miel dans un litre de plomb. Une goutte de miel dans un litre de plomb. Juste une goutte de miel dans un litre de plomb. Quand les médias sont dans les mains des grands patrons, quand ils contrôlent ouvertement l'information, quand ces messieurs colorés Rothschild, Pinot, Dassault, Lagardère et Bouygues se disputent les parts du gâteau. Mais qu'est-ce que tu veux que ça donne? À qui tu veux que ça profite? Quelles idées crois-tu qu'ils vont passer dans leurs gros titres? La vérité sort de la bouche des marchands d'armes. Le monde, l'humanité verse leurs dernières larmes. Et c'est comme ça qu'ils nous maintiennent en laisse. Tous avachis, tous en position de faiblesse. Peur qu'on ne se redresse et qu'on mette nos poings en grève. Peur que la masse informe ne prenne corps et se soulève. Tu peux toujours causer, t'insurger contre l'outrance. C'est eux qui mènent le jeu, ça pèse si peu dans la balance. Voilà ce qu'elles cachent, leur liberté d'expression. Je verse une goutte de miel dans un litre de plomb. Une goutte de miel dans un litre de plomb. Une goutte de miel dans un litre de plomb. Une goutte de miel dans un litre de plomb. Juste une goutte de miel dans un litre de plomb. Dans ce contexte, j'ai la colère triste et amère, pas pessimiste. Les cyniques me saoulent, je déteste et défaitiste. Pour moi, il est hors de question de jeter l'éponge. J'arrive pas à m'y résoudre, ça me tue quand j'y songe. Alors je m'obstine, sans courber la mine, écrire sans relâche, sans fléchir contre la machine. Comme un besoin vital de répondre, de laver l'affront. Écrire sans aucune retenue ni concession. Avec ma condition ouvrière, mon odeur épicée. Le feu dans les yeux, le verbe aiguisé. Contre la bêtise et l'hypocrisie, contre l'injustice primitive de leur idéologie. Pour qui nous ont-ils pris? Mais dis-moi qu'est-ce qu'ils croyaient qu'ils pourraient si facilement nous broyer? C'est en sous-sol que se distille la rébellion, qu'on verse nos gouttes de miel dans leur litre de plomb. Une goutte de miel dans un litre de plomb. Une goutte de miel dans un litre de plomb. Une goutte de miel dans un litre de plomb. Juste une goutte de miel. Une goutte de miel dans leur litre de plomb. Une goutte de miel dans leur litre de plomb. Une goutte de miel dans leur litre de plomb. Juste une goutte de miel. On se bat pour ça, l'ami. Juste une goutte de miel dans leur litre de plomb. Longue vie à l'humanité, c'était la canaille, les amis. On se bat pour cette goutte de miel dans leur litre de plomb, et on les aura. Merci beaucoup. On était venus parce qu'on jugeait ça important pour nous, longue vie à l'humanité. On est venus avec la moitié du groupe. Le son, on fait avec l'essentiel. On était là ensemble pour soutenir la cause. Ok. Bonne soirée à tous.